Très bien. Fred, un créateur de contenu québécois qui se lance un autre défi. Vous vous rappelez peut-être de cette histoire-là. L'automne passé, je vous ai parlé de Louis le Fou, c'est son pseudo sur les réseaux sociaux. Il avait fracassé le record québécois du plus long direct sur la plateforme Twitch. Il avait diffusé sa vie 24 heures sur 24 pendant 52 jours en direct. Okay. Ça lui avait rapporté des revenus de plus de 30 000 $. C'est quand même pas rien. C'est ce qu'on appelle un subathon, combinaison des mots subscriber pour les abonnés et marathon. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de temps au chronomètre et les gens paient pour en rajouter le plus longtemps possible. Et je sens vos regards incrédules, Paul et Alain. C'est parce que c'est pas dans, je te dirais, mes favoris là, d'écouter des gens dans leur véhicule. Mais ça, tu regardes faire des toutes sortes de les gens faire toutes sortes d'affaires, jouer à des jeux vidéo. Et pourquoi je vous en parle ce matin, c'est que notre ami Louis se lance dans un nouveau défi. Il va réinvestir une partie de son 30 000 $ de l'année passée pour faire un direct de 30 jours définis. Là, on dit moins long, mais plus spectaculaire, selon le cofondateur du studio de création derrière les concepts. Il s'appelle Oswald Faner. Plutôt que de simplement essayer de vivre, de survivre en live le plus longtemps possible, c'est vraiment d'essayer de prendre un 30 jours puis là-dedans, ben, rendre ça le plus fou possible. On veut pousser la limite du spectaculaire. On va notamment pouvoir suivre l'entraînement intensif du créateur de contenu pour un match de boxe. Il va partir de zéro et à la fin du mois, là, va faire son match de boxe. Il va pratiquer des sports extrêmes. Hey, le leak! What the fuck? Qu'est-ce qu'il a fait? Yo, man! Ma surprise! Ah, fuck! Les gars, une de mes surprises du sabaton, c'est que pendant le mois, je fais des entraînements en live avec vous pour qu'à la fin, je me batte en live. Mais, genre, ça me fait chier. Mais, anyway, c'était censé être une surprise, OK? Mais je m'en fous. OK? Vous savez pas contre qui, vous savez pas whatever the fuck. So it's alright. Bon. On va falloir faire d'autres surprises. C'est plus des surprises, il va falloir en faire d'autres. Compagnie en direct, saut en bungee, parachute, course en circuit fermé. Ça reste un point de vue technique, là, d'un point de vue technique, quand même un défi aussi. Et si tu regardes ça d'un point de vue affaires, c'est un modèle assez particulier, assez singulier. C'est quand même sa carrière. Le but derrière tout ça, c'est de pouvoir en vivre puis d'aller sur du long terme. C'est profiter de l'argent qui est généré, c'est réinvestir les sous, pousser la croissance. Je veux pas, c'est ça un peu le rêve derrière tout ça. Donc, il vit de ça à 100%. C'est sûr, c'est du divertissement, mais ça reste du vent, là. Je veux dire, on règle pas la famine au Yémen, là. Mais les affaires vont bien derrière... Paul Arcand, tu ris dans le background, je comprends pas. Hein? Hein, Paul? Pourquoi tu ris dans le background, hein? Je comprends pas. Toi, t'as ton... t'es un animateur à radio? Moi, je suis un animateur sur Twitch. J'ai qu'un problème, Paul. Paul? Je comprends pas, live Paul, ce que t'essaies de me... Hey, il a dit que ça restait du vin! De quoi tu me parles, Frédéric, frère? What the hell? De vidéo, il y a une boîte de production qu'on appelle la Content House, maison de contenu. Ça sonne pas trop franco, mais c'est d'ici. Plusieurs personnalités des réseaux sociaux, là. À quel point il rabaisse le... À quel point il minimalise et rabaisse le travail, frère! À quel point, à cause que c'est du nouveau puis c'est une plateforme, il détruit complètement ça, genre. À quel point ils détruisent tout ça? Frérot, à quel point, genre, c'est ma carrière, c'est ma vie, man. Je mets tellement d'efforts, en plus, c'est tellement plus cool que la radio. À quel point ils détruisent tout ça avec leurs mots, genre. C'est triste, dude. Louis Le Fou notamment, mais aussi Adamo, Marinacci et Mathieu Pellerin, deux ex d'Occupation Double font... Ouais, Mathieu Pellerin, Contenance, en tout cas, on s'en parle, mais... partie de cette maison de production-là. Et ça fonctionne, visiblement. Ils sont pas millionnaires avec ça, mais ils peuvent très bien gagner leur vie et c'est assez particulier comme démarche. Mais yeah. ça sera spectaculaire de voir combien de gens vont regarder ça jour et nuit pendant un mois de temps. Oh! Oh! Hein? Là, on parle, hein! Va falloir faire plus de chiffres que cette style d'affaires de radio. Plus de vues, man. Plus de vues le jour que Paul Arcand, mon gars pourri. Ah, mais par contre, la radio, c'est sûr que à cause où ils ont beaucoup d'éditeurs, quand même. Attends, Paul, te trash talk à la fin. Moi, ça me dépasse. Mais qu'est-ce que je suis d'une autre époque, là. Mais, tu sais, le vie, me semble, tu sais, tu es quelqu'un dans.
dans sa vie, là, tu sais. Faut dire que la télé-réalité, en général, c'est pas ma tasse de thé non plus, là. Fucking dude big. Fucking guy, man. Fucking guy, dude. Let's... Ah, time to rock a big. Le 1er septembre, on en met plein la vue, man. Au Québec en entier, les gars, c'est pas plus dur que ça. C'est pas une télé-réalité, frère. Voyons donc. Les boys, j'espère vous voir le 1er septembre pour le sabaton de la terrifiance qui revient en force. Je vous ai dit que je préparais du lourd. Avec Oswald, on prépare du lourd. J'ai les boys derrière la house. On prépare du lourd. J'espère que vous allez être là. Est-ce qu'on va réussir à faire 30 jours? Qui sait? On verra, les gars. Ça, yeah. Puis, on va leur mettre plein la vue au Québec en entier, man. On veut leur montrer. On veut expliquer. En fait, sais-tu quoi? Un de mes buts encore plus loin que le sabaton, c'est comme montrer au Québec c'est quoi Twitch. Comment est-ce que je veux dire? Essayer un peu de crisser Twitch dans la bouche de la radio, de la TV, du Québec. Leur expliquer que Twitch, frère, c'est un endroit merveilleux pour faire tout ce que t'as envie de faire. Puis pas nécessairement pour jouer à des jeux vidéo, whatever. C'est profitable pour n'importe qui, man. Si tu veux propulser ta radio sur Twitch, si tu veux diffuser tes émissions de télé sur Twitch, que c'est genre une plateforme incroyable. Le but du sabaton, c'est de faire assez de bruit pour leur expliquer que tout est possible, puis check qu'est-ce que tu peux créer, man. Anyway. Ça risque d'être de la calisse de bonne. Puis, yeah, de vous voir. En tout cas, c'est ça. Vous êtes à mes côtés, les gars, le premier pour une puissance incroyable.